navigue entre la Guadeloupe et les Indes. J'ai acheté un petit cadeau pour la famille. C'est la leur en mitraillette spéciale Corifed. 20 minutes après, j'en ai une. C'est grâce. Elle est en train de surfer là. Filme, regarde, elle surfe là. Je suis à 8 nœuds, je ralentis pas. Comme ça, je la fais surfer sur le côté. Corifed. Aloe vera. Alors on vient d'apprendre aujourd'hui, grâce à Ulrich, qu'on pouvait les manger. Donc il suffit pour cela de couper les arêtes, les piquants là sur le côté. Maintenant les épluches, donc on enlève la peau pour regarder la chair qui est à l'intérieur, et c'est celle-ci qu'on va manger. Donc là, quand on enlève la couche verte, on s'aperçoit qu'il y a une chair qui est transparente. C'est assez inattendu. Alors maintenant, il faut bien le laver pour lui enlever toute son amertume. Donc entre 15 à 20 rinçages à l'eau douce. Attention, pas l'eau de mer, parce que ça absorbe tout. Donc nos chairs d'aloe vera ont été rincées. Maintenant, on va les débiter en petits tronçons. Voilà, donc maintenant, on n'a plus qu'à agrémenter avec du citron vert et du sucre. Thomas, il y a des iguanes qui font 1m60 de long avec la queue. C'est des iguanes entières. Ouais, et des iguanes communs aussi. Et là-bas, c'est la désirade. Il fait un repère de trolls pour repérer les trolls. Pourquoi ils se repèrent? Il y a plein.
déménagement qui commence. Première étape. Fabrication des cartons. On a des livres, du matériel de plongée, les vêtements de bébé qu'il a quasiment jamais mis. Quatorze cartons pour le déménagement par cargo. Ça va durer à peu près un mois. Allez, charge la voiture maintenant.